Salut petit jeune, bon, je vais garder l'anonymat quoi, je préfère garder l'anonymat quoi, parce que en fait je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment, qui me tient à cœur, c'est le H9N1 quoi, le H9N1, la grippe quoi, la grippe porcine, ah bah les porcs, moi regarde, c'est fini quoi les porcs. Donc moi j'ai trouvé une technique en fait, voilà, ça fait 35 ans que je fume tu vois, donc c'est clair que... Pas le H1N1, PD H1N, pas le H1N1 qui va me faire mourir. Donc voilà, j'ai trouvé une technique pour quand tu vas aux toilettes, c'est là qu'on attrape les bactéries. Ben moi j'ai trouvé une technique en fait que tu les attrapes pas les bactéries. Il est fort ou il est pas fort. Allez, donne-moi le coude, c'est clair, je vais pas te serrer la main, je veux pas choper la bestiole. Je t'ai eu. Donc je te montre très évasif, là, faut être un peu souple. Là. Je te montre. En fait, quand tu vas aux toilettes. Il faut que tu te serves des coudes, tu te déshabilles, bon, tu veux toucher à ton pantalon, mais moi je préfère, tu vois, tu prends tes coudes comme ça, tu descends, tu te tiens la mistouquette, tu vois, avec les coudes. Bon, le problème, c'est que pour viser, c'est pas évident, alors on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc t'arrives aux toilettes, ce que tu fais c'est que bien sûr tu prends du papier, du Kleenex, on va pas dire de non non plus, on n'est pas là pour faire de la pub. Tu relèves délicatement la balle, voilà. Et après, tu vas pisser en fait avec tes coudes, d'accord? Et bon, tu vas régler le jet, quoi. Ça dépend, quoi. Donc, allez, c'est parti. Avec les coudes, c'est vraiment pas facile. Ah, shit. Ah, oh my god. Regarde, à un moment donné, je vais y arriver, quoi. Oh, aïe, 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 bon, je pense que t'as compris le principe. Après, le plus dur, c'est de remettre la braguette. Ah, ah c'est correct. Oh là là. Salut, excuse-moi, ça va bien quoi? Putain, attends, j'aimerais allumer une cigarette. Donc, là, t'as compris la manière pour pisser quoi. Maintenant, je vais te montrer une manière pour ouvrir les portes sans se servir de Kleenex si jamais t'en as plus quoi. Donc, on a compris, on tient pas la main de rien du tout. Je vais te montrer. Comment on fait pour ouvrir une porte, ok? Donc là, tu regardes bien la technique. Donc la technique des coudes, hein, comme d'habitude, technique des coudes. Donc tu es face à la porte comme ça, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait du monde qui te regarde, sinon t'as l'air con, quoi. T'as l'air con, donc tu fais comme si tout allait bien. Salut, ça va? Ouais, la pêche. Donc voilà, donc tu regardes la poignée, quoi, puis tu essayes de l'ouvrir avec tes coudes. Quoi. Mais des fois, ça va prendre du temps, quoi. Tu vois, là, ah, j'y arrive plus. Tu vois, là, j'ai ouvert la porte, donc c'est correct. Allez, à plus tard, les gars. Voilà, les enfants, je vais vous expliquer un truc. Bon, vous avez tous vu la télévision, quand tous, on fait quoi, quand tous? Hein? Quand on fait quoi? Quand tous, on... on tousse dans son bras, là, comme ça, là. J'ai même vu sur Internet, il y en a qui toussent dans leur t-shirt, après ils te disent de jeter leur t-shirt et tout. Donc, tu tousses comme ça, là, tu sais, quelqu'un arrive et... Eh ben tu leur diras, c'est tous des losers, ouais, des losers, ouais, comme en anglais, quoi, losers, quoi, des merdes, quoi. Non, la meilleure manière, moi, je sais ce que c'est, bon, il faut être un peu souple, c'est comme la technique des bras, comme ça, là, hein, faut être souple, mais la meilleure technique, si jamais, garde, si jamais tu tousses, non, ton réflexe, c'est que tu tousses dans ta jambe, comme ça. Donc, regarde comment tu fais, hein. Voilà, tu tournes dans le creux de ta jambe et là les bactéries ils pourront jamais remonter. Mais bon, j'avoue, il faut être vraiment souple. Voilà. Eh monsieur, monsieur, vous savez les symptômes de la grippe H1N1? Quoi? J'ai pas entendu, t'as un accent bizarre. Quoi? Quoi? Vous connaissez les symptômes de la H1N1? Les vertiges? Les vertiges? Oh my god. Oh putain, Les maux de tête? Les maux de tête, c'est quoi ça? Comme le H&L, les maux de tête? Eh oui. Oh putain, aïe, 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 aïe. Il y a la transpiration. Il fait chaud, j'ai des tamis sauvages ou quoi? Je vais peut-être me rallumer une cigarette, moi ça ira mieux quoi. Moi je vous l'ai dit les gars, je suis un maniaque, H1N1, 35 ans que je fume, il m'aura jamais, H1N1 tu m'auras jamais, va voir D2R2 plutôt, il est con celui-là. Bon alors tu vois, ta meilleure arme contre le H1N1 c'est le putel. Putel ça te rend la vie belle.
Donc tu vois là, t'as quand même mis du McDonald's, tu vois. Bon, c'est dégueulasse, j'avoue là, mais bon, les jeunes ils kiffent ça, tu vois. Donc voilà. Alors ce que tu fais, tu vois, tu prends ton hamburger, donc on se rappelle que c'est pour contrer le H1N1, c'est bon, t'as suivi. Donc tu prends un hamburger classique, tu vois là. Mais bon, là tu as touché au papier, après tu touches plus au papier. Donc tu vas chercher des Kleenex, parce que tu veux pas te choper la maladie. Tu peux des Kleenex, tu vois, donc tu ramènes des Kleenex. Et là, l'opération est très simple. C'est que tu prends délicatement la tranchette de pain. Putain, il est con le minot qui m'a fait ça ou quoi. Tu vois, tu sépares les aliments, tu sépares. Alors, voilà, c'est tout collé. Bon. Bon, voilà, tu sépares, tu vois. Là, tu prends le purée, mais non, il ne prend pas avec les mains, il est con lui. Tu prends le purée, là, tu vois, tu en mets dedans. Tu vois, tu en as mis dedans, tu en mets dans l'autre pain aussi. Tu en mets un peu sur le steak là. Tu vois là, bon tu remets là. Attends, tu peux pas bien remettre, hein. De toute façon t'as bien vu hamburger bien fait à McDonald's. Donc tu remets quoi, tu vois, tu remets comme ça là. Tu le remets à l'endroit, mais tu le manges. Donc là, tu vas être frais, tu vois, là, ça c'est correct. Tu vois, ça la cigarette, tu chopes pas le H1N1, tu vois, donc ça c'est correct, tu peux t'allumer les cigarettes. Ah putain. Ah je dis bien, je dis que... Ah ça m'est vraiment du bien. Bon tu vois là, tu vas manger ton hamburger, bon tu le tiens avec le papier, quoi tu vois. Faut faire attention parce que c'est le putain il est inflammable, tu vois. La dernière fois j'ai un collègue, il est cosy, il a fait la même chose que moi, il s'est allumé une cigarette, ça a décollé, il avait plus de cheveux. Donc allez, bon appétit quoi. Ah. Bon j'avoue, c'est un peu un goût dégueulasse avec le putain, mais bon, à un moment donné, tu veux lâcher un air ou tu veux devenir gros, faut que tu choisisses. Bon donc, là je vais te montrer comment écrire un email quoi. Bon c'est pareil, l'email, le clavier, tu vois, le clavier là. Bon je vais te montrer le clavier, tu vois. Le clavier en fait... C'est plein de bactéries, tu vois, donc... oh my god, putain, en plus je me brûle avec ma cigarette. Donc voilà, le clavier, c'est plein de bactéries, donc... Le truc que tu peux faire, par contre, c'est d'écrire, comme tout à l'heure, la technique des coudes, tu te rappelles. Donc, ça c'est mon chien, c'est Kiki, ça, il est mort il y a 10 ans, et je l'adore ce chien-là, putain, j'ai balancé, il est terrible, excusez-moi, la cigarette c'est pas bon non plus, arrêtez de fumer, donc... Ah putain, en plus j'en fous, pardon, ouais, putain, ça dégueulait, il est con, quoi, il est bon, alors, bon, écrire, c'est simple, là. Bah, attends, je vais poser ma cigarette, sinon je vais me péter. Alors, pour écrire, c'est facile. Ça, c'est ton arme. Bon, c'est sûr que t'es pas sur un iPhone, là. T'es pas sur un iPhone, c'est sûr que ça va être difficile, donc, tu vas écrire un email, là. Bon, là, alors, attends, je vais écrire un email, là, bon. Bon voilà, tu vois là, je suis sur la page pour écrire l'email là, bon mais tu vois quoi, ben, c'est difficile hein, souvent hein, je confonds le H et le Y quoi, tu vois, donc c'est pas évident là, mais à un moment donné je vais y arriver quoi, donc c'est la technique du coude, hein, voilà, pour écrire des emails. Bon c'est sûr que des amis vont peut-être pas comprendre ce que tu écris, mais bon au moins ils sauront que s'ils voient des W, des Z dans tous les sens, c'est que t'as pas chopé le H1N1, donc voilà. Donc c'était ma capsule pour lutter contre le H1N1, donc moi j'ai trouvé la solution. Tu bouffes du McDonald's, bah, le pire qui peut t'arriver c'est que tu meurs parce que tu es gros quoi. Mais bon, ça c'est pas grave ça, tu vois. Toi t'es mort, tu t'en fous d'être gros. Puis sinon tu peux continuer à fumer, moi ça fait 35 ans que je fume. Ça fait 35 ans que je fume, mais je suis en pleine forme, hein. Je suis vraiment un gros sportif, j'ai 40 chaînes sur le câble là, je suis tous les sports, je suis terrible quoi. Puis voilà quoi, puis quand je vais aller au gym, ben j'y vais pas d'ailleurs, ah, il est con celui-là. Donc voilà, donc le H1N1 il passera pas pour moi, tu sais pourquoi? Parce que j'ai mon putain là, grâce au putain j'ai pas le H1N. Donc fais attention à toi, fais du sport, toute la bullshit quoi, écoute tes parents, fais pas le con, et surtout ne mets jamais de vidéos sur YouTube. H1N1, non.